Salutations voyageurs, salutations voyageuses, et bienvenue sur Le Voyage Conté, la chaîne qui vous fait explorer la culture noire à travers contes, légendes, épopées et histoires. On continue dans la série Le Sultan d'Arai, et je vois que le morcellement de ce conte énorme. Je vois que le morcellement de ce conte vous met un peu de suspense dans vos journées, dans vos mardis et dans vos samedis. Aussi, on va continuer comme ça, hein, qu'est-ce que vous en dites? Mais bon, avant de replonger dans le conte, un bref rappel de ce qui s'est passé jusque-là. Précédemment, dans le Sultan d'Arai, la fille du menuisier continue de subir un traitement très, 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 très indésirable. Elle cherche du réconfort donc auprès de sa mère défunte. Elle trouve, alors qu'elle a faim, derrière le tombeau de sa mère, un plan avec des fruits qui lui permettent de se sustenter. Aussi, elle en prend un, elle en mange un, et elle en ramène un à la maison, qui lui est aussitôt arraché par sa marâtre. Et le père, ayant appris de la marâtre que sa fille serait une voleuse, maltraite sa fille. Mais, explication faite, entre sa fille et lui, il veut maintenant donner à sa fille une occasion de vivre seule, de son côté, avec une esclave qui lui a pris pour qu'elle vive mieux. Ni d'une ni deux, une demande en mariage est faite. Et nous en sommes là, jusque-là. Je nous laisse alors replonger de nouveau dans l'histoire. Bienvenue dans l'épisode 3 du Sultan d'Arai. Le messager prend tout ce qu'on lui a remis et sort. Il se rend chez le père de la jeune fille. Celui-ci est absent. Il demande donc à son épouse « Où est allé ton mari ?» Il nous a dit qu'il allait par derrière chez un voisin pour jouer à pile ou face. Il nous a dit de le faire appeler par une enfant si l'envoyé venait. « Allons vite, appelez-le-moi, je l'attends ici. » L'enfant se lève et court là-bas derrière chez le voisin. Elle voit son père en train de jouer à pile ou face, elle lui fait des signes de la main pour l'appeler. Son père comprend vite et dit à ses compagnons de jeu « Je quitte votre compagnie. Une enfant est venue m'appeler. Il se passe peut-être quelque chose à la maison. » « Allez, allez, vas-y, » lui disent-ils. Il va chez lui et trouve l'envoyé qui l'attend sous la véranda. « Te voilà ?»« Me voilà, monsieur. Les nouvelles d'où tu viens alors ?»« Alors, monsieur, elles sont bonnes et elles sont réjouissantes. » »« Voici ton cadeau. Premièrement, cette dot. Deuxièmement, ces habits. Troisièmement, ce turban. Quatrièmement, cette étoffe. Cinquièmement, ce cadeau pour la belle-mère. Sixièmement, ce cadeau pour laver les pieds. Septièmement, ce cadeau pour ouvrir la porte. Voilà ce que l'on m'a remis pour toi. Au fait, le cadeau a donné dans la main. Le fiancé a dit qu'il l'apportera lui-même. Il te fait savoir qu'il est prêt et qu'il attend que tu l'appelles. Le beau-père dit « Je n'ai rien de particulier à faire, j'ai du temps libre. Demain, il aura sa femme. » Le beau-père prend les habits et les emporte à sa femme à l'intérieur. « Femme, lui dit-il, appelle la fille pour lui montrer ses habits, pour lui montrer sa dot, et ensuite elle fera comme elle voudra. » La marâtre appelle la jeune fille. « Viens, petite mère, voici tes habits, ils viennent de chez ton fiancé. » Voici ta dot. Le reste, ce sont nos cadeaux à ton père et à moi.
D'accord, maman. Ce que vous avez arrangé, est-ce que je peux le refuser? Ce qui vous plaît, me plaît aussi. Je ne peux faire affront à mon père. J'aime le bon plaisir de mon père. Je tiens à ce qu'il puisse être fier de moi. Qu'il n'ait pas honte de rire, de parler, de se promener comme tout le monde. Je ne voudrais pas l'offenser. Je veux me comporter comme on se comporte envers un père. C'est bien, mon enfant, dit le père. Tu as prononcé des paroles agréable à entendre. Je craignais, ma fille, que tu ne me fasses honte, mais grâce à toi, je puis aller la tête haute. Que Dieu te donne de grandir, ma fille, et d'avoir bon cœur comme maintenant. Car les paroles que tu m'as adressées sont pleines de bon sens, et cela me fait plaisir à moi, ton père. Puis, ils restent à la maison pour arranger leurs affaires jusqu'au matin. Le lendemain, ils envoient dire au fiancé « Il est temps que tu viennes. Marie-toi pour pouvoir entrer dans la maison de ta femme. » Le messager part et arrive là-bas, à la maison du fiancé. Il le trouve assis sous la véranda, attendant qu'on vienne le chercher. « Monsieur, dit le messager, on t'appelle. Le moment est venu. »« Très bien, répondit-il. Je suis prêt. » Il se met en route avec sa famille et ils arrivent à la maison du beau-père. Le fiancé fait « Entrez, maître. Entrez, messieurs. » Ils passent sous la véranda et font appeler le marabout. Celui-ci vient et bénit le mariage. Avant de se quitter, on donne du riz aux invités. Et oui, ils mangent beaucoup de riz. Ils mangent et sont bien traités. Très bien traités. Et puis, c'est le départ. « Au revoir, jeune marié, » disent-ils. Le marié, avec sa femme, reste chez son beau-père pendant 7 jours complets. Puis, il appelle son beau-père et lui dit « Beau-père, j'ai 3 choses à te dire. »« Maître, » répond le beau-père, « mieux que ces 3 choses, tu peux m'en dire 13. Ne crois pas perdre ton temps en me les disant. » Ne t'en fais pas, je n'ai pas plus de 3 choses à dire. Bon, d'accord. Dis-les-moi. Alors, premièrement, je voudrais que tu m'accordes la permission de partir chez moi, avec ma femme. Deuxièmement, il ne faut pas te fâcher à cause de ce que je dis, surtout pas. Troisièmement, je voudrais que tu me laisses partir aujourd'hui même, car... je trouve que ce jour est un jour faste pour partir. Mais toi, ne va pas dire que nous sommes partis comme des voleurs. Hein? Nous te rendrons visite matin et soir. Finalement, au bout d'un certain temps, tu en auras peut-être même assez de nous voir. Non, je ne suis pas fâché contre vous, répond le beau-père. Je serai heureux de vous voir tous les jours. À n'importe quelle heure. Venez donc que je puisse voir mon unique fille. Je ne voudrais pas qu'elle me manque trop. S'il plaît à Dieu, dit le jeune marié. Au coucher du soleil, il déménage, lui et sa femme, et s'en vont chez lui. Il reste de longues années avec elle et ils s'aiment beaucoup. La femme adore son mari, le mari témoigne à son beau-père une affection incomparable. Il reste de nombreuses années sans la moindre dispute entre eux. Il ne se querelle pas non plus avec son beau-père, ils s'entendent à merveille. Et malheureusement, le beau-père meurt. Il faut bien que cela arrive. 20 jours. Le mari et sa femme vont l'enterrer. De nombreuses années s'écoulent et la femme meurt à son tour. Cela devait aussi arriver. Il va l'enterrer. Longtemps, il reste seul, puis... il s'adonne à la débauche et perd tout ce qu'il avait acquis. Il devient mendiant, de porte en porte, il va quémander, et on lui fait la charité d'un peu de nourriture. Mais au bout d'un certain temps, plus personne ne lui donne à manger. Il va au tas d'ordures et gratte comme une poule. Quand il trouve un grain de mil, il le prend et le mange, et ceci pendant de nombreux jours. Mais une fois en allant au tas d'ordures, il trouve une pièce de 100 francs en grattant.
Il se penche encore sur le tas de saleté, mais il n'y trouve même pas un grain de mil. Se dit-il, puisque j'ai 100 francs, je vais aller me coucher. Il rentre chez lui, prend de l'eau et boit. Il prend aussi du tabac et le chic. Voilà ce qu'il a gagné ce jour-là, une pièce de 100 francs, de l'eau à boire et du tabac à chiquer. Il monte sur son lit pour dormir. Le lendemain matin, il s'en va encore au tas d'ordures. En regardant du côté de la grande route, il aperçoit un muadim, un descendant des premiers habitants de Zanzibar, portant une cage en branchage. « Hé, muadim, appelle-t-il, qu'est-ce que tu transportes dans cette cage ?»« Antilope, antilope !»« Apporte !» dit le pauvre homme. Il y a là 3 badauds qui interpellent le muadim. « Et toi, muadim, là, tu vas faire une affaire avec lui aujourd'hui ?» glousse-t-il. « Mais pourquoi, monsieur ?» Ce pauvre bougre n'a rien du tout. Rien de rien. « Il a peut-être un peu d'argent, monsieur, » dit le marchand. « Non, tu le vois bien. Il ne quitte pas le tas d'ordures, il gratte comme une poule, tous les jours. Il trouve peut-être 2-3 grains de riz et il les croque. S'il avait quelque chose, il achèterait du mil pour manger, hein ? Tu ne penses pas ? Et il voudrait acheter une antilope ? S'il ne peut pas se nourrir lui-même, comment pourrait-il nourrir une antilope, voyons ? » Le muadim répond. « Eh bien, messieurs, je ne le connais pas. J'apporte de la marchandise. Je réponds à tous ceux qui m'appellent. Si on me dit « viens », je viens. Comment saurais-je si celui-ci est un acheteur ou non ? Est-ce que je vais me disputer avec les gens ? Non. J'apporte de la marchandise. Si l'on m'appelle, ne dois-je pas venir ? C'est la coutume pour un marchand. N'importe qui l'appelle, il vient. Quand c'est un petit, quand c'est un grand, quand c'est une femme, quand c'est un pauvre, même quand c'est un malheureux, il vient. Moi, j'ignore tout cela. Je suis un marchand. N'importe qui m'appelle, je viens. Ainsi, tu ne veux pas nous écouter ? Dit le premier badaud. Nous le connaissons très bien et nous savons qu'il n'est pas acheteur. On fait ça dans ton intérêt. Le deuxième se moque encore. Hé, que dites-vous ? Dieu lui a peut-être fait un cadeau, qui sait ? Quand Dieu fait un don à quelqu'un, est-ce qu'il le crie sur tous les toits ? Le troisième conclut. Le signe de la pluie, ce sont les nuages. N'est-ce pas ? Eh bien, nous n'avons pas vu le moindre indice prouvant qu'il possédait quelque chose. Le muadim leur dit, « Messieurs, moi je vais aller écouter celui qui m'appelle. Je viens de chez moi en brousse. Sur la route, beaucoup de gens m'ont ailé. Pas moins de 50, sinon plus. Ces personnes-là ne m'ont rien acheté. Tous ces gens étaient riches et ce n'est pas comme si ils étaient sans le sou. Ils n'ont pas acheté, pourtant je leur ai montré à tous. Ils ont regardé et m'ont dit « Emporte ta marchandise. Partout où je passe, on me hèle. Apporte tes antilopes. » Et on me répond « C'est trop cher. Va-t'en plus loin. » Eh bien, moi j'emporte sans me fâcher. C'est la coutume pour un marchand. On l'appelle ci et là, il pose sa marchandise à terre, puis il la remet sur la tête sans se fâcher. C'est la coutume. On ne sait jamais qui va acheter. Tu te dis, peut-être que ce sera celui-ci, ou peut-être que ce sera celui-là, jusqu'à ce que tu trouves un client. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu ne tiens pas compte de ce que nous disons. Tu nous sors quantité de paroles inutiles et de théories. « Va donc, pauvre type, on va bien voir. » Les 3 mauvaises langues se disent ensuite entre eux. « Nous allons le suivre pour voir si ce pouilleux va vraiment acheter quelque chose. Sait-on jamais, si quelqu'un a de l'argent, cela ne se lit pas sur sa figure. Voyons, voyons les gars. Depuis la mort de sa femme, il a dépensé tout son bien en menant une vie de débauche. Voilà au moins 3 ans qu'il ne sait plus ce que c'est que de manger un repas chaud. Alors, quelqu'un qui ne peut se mettre de la nourriture chaude dans le ventre 1 jour sur 10, aurait-il de quoi acheter une antilope ? Mais bon, allons le voir.
Moadim, allons-y. Allons voir cet individu qui se donne du mal à crier et qui te donne du mal à toi, qui a une charge sur la tête. Allons donc voir s'il va vraiment acheter. Et s'il n'achète pas, eh bien, chacun lui donnera un coup de bâton pour lui apprendre la loi. Et qu'une autre fois, s'il voit quelqu'un avec sa charge, qu'il ne l'appelle pas. Ils arrivèrent près du pauvre homme en ricanant. Ah, voici les antilopes. Achète donc. Hein? Je veux une antilope, je veux une antilope. Eh bien, la voilà ton antilope. Des mots, que des mots, mais aucun acte. Tu la touches avec les yeux, mais tu ne l'auras pas dans ta main. Le pauvre homme dit directement au Moadim. Quel est le prix de ton antilope? Les trois badauds s'offusquent. Espèce d'hypocrite! Tu sais bien qu'on vend tous les jours deux antilopes pour 200 francs. D'accord, alors j'en veux une pour 100 francs, reprend le malheureux. Espèce de menteur, glapit l'un des badauds. Tu as 100 francs toi? Où les aurais-tu trouvés? En disant cela, il lui donne une tape sur la joue. Monsieur, pourquoi me donnes-tu un coup sans raison? Qu'est-ce que je t'ai fait? Me suis-je moqué de toi? T'ai-je pris quelque chose? Moi, j'appelle cet homme qui a ses antilopes, et vous, vous venez vous mettre en travers. Est-ce que votre vœu, c'est de me gâter cette affaire et de m'empêcher d'en acheter une? Il défait alors un nœud de son pagne et en retire les 100 francs. Tiens, Moadim, donne-moi mon antilope. Le marchand en prend une. Tiens celle-ci. Puis il se met à rire. Comment donc? Vous, avec vos boubous et vos turbans, avec vos épées, vos poignards, avec vos chaussures aux pieds, vous êtes des gens riches. Vous n'avez jamais tort. Et vous me dites, voici un malheureux, sans rien du tout, rien devant, rien derrière. Mais lui, au moins, il a pu acheter une antilope à 100 francs. Vous, grands messieurs, avec votre maison qui regorge de richesses, et vous, vous n'êtes même pas fichu d'acheter pour 50 francs. Cet homme que vous m'avez dit pauvre, un pauvre diable sans rien du tout, lui, il a pu diminuer ma charge. Tandis que vous, grands messieurs, vous n'avez même pas pu m'offrir 50 francs. Le pauvre homme reçoit donc son antilope et s'en va là-bas au tas d'ordures. Tenant l'animal en laisse, il se penche pour gratter le tas d'ordures. Il trouve quelques grains de mil à se mettre sous la dent et il trouve encore quelques grains qu'il donne à l'animal. Ça doit être des gros grains de mil pour pouvoir nourrir une antilope. Puis, il prend la route et s'en va. Il s'en va là-bas chez lui où se trouve le lit sur lequel il dort et il étend sa natte et se couche, lui et l'antilope, dans la même pièce. La nuit finit, il se lève et prend l'antilope. Il retourne au tas d'ordures en grattant et il trouve des grains de mil, une poignée. Il les porte à sa bouche et donne le reste à l'antilope. Puis, de nouveau, il rentre chez lui. Et ce, pendant 5 jours. Voyageurs, voyageuses, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne sais pas vous, mais ça devient bizarre un peu comme histoire. Ça passe du coq à l'âne littéralement, ou plutôt du poulet à l'antilope très très vite. Parce que là, j'ai l'impression d'être resté sur ma faim quant à l'histoire sur la jeune fille qui était maltraitée là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a un nouveau thème qui est abordé effectivement. Même plusieurs, j'en ai détecté deux. Il y a deux nouveaux thèmes qui sont abordés dans le conte. Donc, si vous les avez détectés, la barre de commentaires vous attend. Et j'ai oublié de vous le dire, mais si vous avez envie du livre, je vais mettre dans les liens, dans la description, la barre de description, un lien qui mène directement au livre. Donc, vous pourrez avoir accès. Mais attendez qu'on finisse ce conte, ce long conte, et vous pourrez vous procurer le livre. Aussi,
Dites-moi dans les commentaires si vous préférez qu'on termine la série du Sultan d'Araï avant qu'on ne fasse un arbre à palabres, ou si vous voulez qu'on en fasse un dès samedi prochain. Je vous lis, j'attends vos réponses, dites-moi tout dans les commentaires. Et jusque-là, voyageurs, voyageuses,